Je suis heureux de vous retrouver et surtout ce matin de vous apporter les conseils du Seigneur. J'ai une très bonne nouvelle pour vous ce matin. Je voudrais vous inviter à vous asseoir devant votre poste téléviseur, tranquillement. Ne vous laissez pas distraire, écoutez, parce que j'ai quelque chose de très important pour vous. Et si vous me suivez, ça va changer votre vie. Ça va changer votre vie. Je vous invite à lire avec moi dans l'Évangile selon Saint-Luc, chapitre 4, à partir du verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est question de Jésus. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. » Ici, la question de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus a été baptisé, donc présenté publiquement au peuple d'Israël, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Après cela, il s'est retiré dans le désert pendant 40 jours. Il a jeûné, il n'a pas mangé. Et quand il est revenu, il était revêtu du Saint-Esprit. C'est alors qu'il est parti, il est retourné à Nazareth, là où il avait été élevé, où il avait grandi. Et selon sa coutume, il est parti dans la synagogue. Aujourd'hui, on dirait, il est parti au temple ou bien à la mosquée. Donc, il est retourné dans la synagogue. Et on lui a remis le livre du prophète Ésaïe. Et il a déroulé le livre et il a lu exactement ce que je viens de vous lire. Mais cette parole était une parole prophétique annoncée par le prophète Ésaïe. Et cette prophétie était vieille de 7 siècles, c'est-à-dire 700 ans qu'Ésaïe avait parlé. Les Juifs attendaient le Messie, celui qui allait venir pour les délivrer de leurs conditions. Et voici que Jésus arrive, il prend le livre, il lit, et il leur dit, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre s'accomplit aujourd'hui. Mais comment ? Celui que nous avons vu grandir, est-il le Messie? Oui, c'est lui le Messie. C'est lui le Messie. Quel est le programme du Messie? Pourquoi Dieu envoie un Messie? Qu'est-ce que le Messie? Le Messie, c'est celui que Dieu a oint. C'est celui à qui Dieu a donné l'onction, la puissance, la force et l'autorité pour parler de la part de Dieu comme Dieu parlerait lui-même. Jésus ne parlait pas comme les scribes et les pharisiens, comme les enseignants de son époque. Il parlait comme Dieu parlait parce qu'il avait reçu l'onction. En effet, du Messie, il est dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Jésus est venu comme Dieu parmi les hommes pour annoncer la bonne nouvelle. Et le programme qu'il est venu réaliser, qu'il a réalisé et qui continue de se dérouler, c'est ce programme qui est là devant nous et que je veux développer pour vous ce matin. Si tu crois, ça va changer ta vie. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante, permanente. Elle est créatrice, elle donne la vie. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre, c'est qui? Les Simons dit qu'il y a plusieurs sortes de pauvreté. La première pauvreté qui est visible, c'est celui qui est démuni, qui n'a rien, qui n'a pas d'argent.
n'a pas de moyens, qui vit difficilement. Et ça, il y en a beaucoup parmi nous. Beaucoup de personnes vivent dans la pauvreté, dans la misère. Ils se débattent les matins, ils se demandent comment faire pour manger, comment faire pour vivre, comment faire pour atteindre le lendemain. Beaucoup se débattent pour nourrir leurs enfants. Beaucoup se débattent. Ils vivent de la pauvreté, de la misère, de la souffrance, dans les soucis. Et Dieu sait combien de pauvres il y en a au Niger. Combien de pauvres il y en a dans le monde. La pauvreté, ce n'est pas que Dieu l'approuve. Dieu n'approuve pas la pauvreté. Parce que tout ce qu'il a mis dans l'univers, dans le monde, est une démonstration de son amour pour les hommes. Dieu veut que les hommes soient heureux. Dieu veut que les hommes soient bénis. Mais c'est le péché qui a fait que la condition de l'homme a changé. Mais même si Dieu n'aime pas la pauvreté, Dieu l'approuve quelquefois. Parce que la pauvreté nous rapproche de Dieu. Quand on a les moyens, quand on est riche, quand on est loué par les hommes, on ne s'intéresse pas à Dieu, on ne s'occupe pas de Dieu. Mais quand on est dans des situations difficiles, quand on manque d'argent, on cherche Dieu pour que Dieu nous bénisse. La pauvreté nous rapproche de Dieu. C'est pour cela que Dieu, je dis, Dieu approuve la pauvreté. Mais sinon, la pauvreté ne fait pas partie du plan de Dieu. Dieu a créé l'homme pour être heureux. C'est pour cela que Jésus dit qu'il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, c'est que tu peux sortir de la pauvreté et de la misère. Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Je suis venu pour que mes brebis, les hommes qui vont m'accepter, qui vont croire en moi, leurs conditions changent et qu'ils aient la vie, une vie abondante. Pas une vie de pauvreté, de misère, de souffrance. Si tu suis Jésus, tu marches avec lui et que tu vis de la pauvreté et de la misère, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Viens à Jésus. Regarde la parole de Dieu, lis la parole de Dieu et marche selon les principes de la parole de Dieu et ta vie va changer. Si tu as une brebis du Seigneur, tu vas entendre sa voix. Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui est devant toi, qui te demande à boire, c'est toi-même qui allais lui demander de l'eau à boire, et il allait te donner de l'eau vive. Parce que quiconque boira de l'eau de ce monde, c'est-à-dire les plaisirs de ce monde, les choses de ce monde, il aura toujours soif. Mais celui qui boira l'eau que moi, Jésus, je lui donnerai, le Saint-Esprit que je vais lui donner, il n'aura plus soif. Parce que cette eau sera lui une source permanente de joie, de bonheur, de plaisir et qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Alléluia! Si tu es pauvre matériellement, c'est pour toi l'occasion de t'approcher de Jésus, de recevoir Jésus, d'accepter Jésus, de parler avec Jésus. Et Jésus va opérer un miracle dans ta vie. La condition va changer dans ta vie. Tu vas voir que les choses vont aller dans le bon sens. Actuellement, tu vas au contraire des principes bibliques. C'est cela que ta condition est souffrante, elle est douloureuse. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu as déjà entendu l'évangile. Tu as refusé, tu n'as pas accepté Jésus. Mais depuis lors, est-ce que ta condition a changé? Tu es toujours dans les mêmes souffrances, dans les mêmes problèmes, dans les mêmes douleurs, dans les mêmes difficultés. Je suis heureux de te dire ce matin que si tu avais choisi Jésus, si tu avais accepté Jésus, quand on t'avait parlé de lui, tu ne serais pas la même personne aujourd'hui. Ta condition aurait changé. Si ta condition n'a pas changé, c'est parce que tu n'as pas accepté Jésus. Aujourd'hui, accepte-le, tu vas voir quelque chose se passer. La deuxième sorte de pauvreté et qui a ignoré les hommes, c'est la pauvreté spirituelle. Il y a des gens qui sont riches, ils ont des voitures, des femmes, ils ont l'argent, des maisons, mais ils ne se rendent pas compte combien de fois ils sont pauvres.
Cette pauvreté, elle est dangereuse. Jésus dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il devait perdre son âme? À quoi ça va te servir d'avoir toutes les richesses de ce monde si tu dois perdre ton âme? Il y a des gens qui signent des pactes avec le diable, les démons, pour être riches. Mais si tu dois aller en enfer, à quoi ça te sert cette richesse? L'argent, ça te sert à quoi? Tu es riche, mais ton âme est pauvre. Ton esprit est pauvre. Et tu sais de quoi je parle. Tu as l'argent, mais tu es pauvre. Ton âme a soif. Ton esprit est désespéré. Quand tu es seul, tu as un besoin. Tu sens que tu as l'argent, mais tu n'es pas satisfait. Tu es insatisfait. Il y a un désir, quelque chose dans ton cœur qui te dit qu'il y a quelque chose qui te manque. Tu le sais. Tu as l'argent, mais ton cœur est vide. Tu es pauvre spirituellement. Et tu as besoin de Jésus pour que ta condition change. Si en plus de l'argent que tu as Jésus, ta vie sera équilibrée. Et tu vas voir que tu vas vivre le bonheur sur la terre. C'est ce que Dieu veut pour toi. L'argent seul ne suffit pas. L'argent ne peut pas nous rendre heureux. Celui qui peut nous rendre heureux, c'est Jésus de Nazareth qui nous envoie son esprit pour changer notre vie, notre condition et pour nous donner une vie meilleure. Viens à Jésus. Je sais que tu as un poste télévisé parce que tu as l'argent. Ce que je suis en train de dire, peut-être au début ça t'énerve, mais tu sais que ce que je dis est la vérité. Ton cœur est pauvre et vide. Tu as un besoin. Ce besoin ne peut être comblé que par Jésus de Nazareth. Viens à lui. Tes amis vont s'opposer. On va te ridiculiser. Mais viens expérimenter quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Tu verras, ta condition va changer. Tu seras heureux. Alléluia. Jésus dit, Dieu m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est là que se trouve le grand nombre de personnes. Les cœurs brisés. Combien de personnes qui ont le cœur brisé? Combien de jeunes filles qui ont le cœur brisé? Combien d'hommes, de femmes, même d'enfants qui ont le cœur brisé? Enfant au cœur brisé parce qu'il a perdu ses parents ou bien ne connaissant pas son père. Jeune fille au cœur brisé parce que son fiancé l'a abandonné. Femme au cœur brisé parce qu'elle est divorcée. Homme au cœur brisé parce qu'il vient de perdre son emploi ou quelque chose dans ta vie. Tu viens de perdre un parent, un être cher. Ton cœur est brisé. Tu souffres, tu saignes. Dans la Bible, il y avait une femme qui a eu le cœur brisé. Tellement brisé que quand tu apprends son histoire, tu verras que ton cœur brisé n'est rien. Elle était mariée. Un mari qui l'aimait, qu'elle aimait. Les deux étaient heureux. Et ils ont fait un enfant, un seul. Mais ils étaient heureux. Une famille nucléaire. Monsieur, madame et leur jeune garçon qu'ils ont vu grandir. Ils avaient l'argent, ils avaient les moyens. Ils avaient tout à l'œil. Ils étaient heureux. Et puis un jour, brusquement, sans qu'on sache pourquoi, l'homme est tombé malade. Ils ont essayé par tous les moyens, tous les médecins, et cet homme est mort. Vous savez, la mort ne connaît aucune pitié. Elle frappe n'importe qui. Cet homme est mort. La femme a pleuré. Elle a crié. On a essayé de la consoler. Mais rien. Son mari a été enterré. Son dernier espoir, c'était son fils. Elle a vu son fils grandir. Elle s'est dit certainement, il va se marier, il va être heureux, il va être bien. C'est lui qui va s'occuper de moi parce que je suis devenue vieille. Son espoir était dans son fils. Elle croyait que quelque chose allait se passer. Et puis un jour, subitement, sans aucune maladie, ce jeune est tombé, il est mort. Regardez une telle situation. Une veuve qui perd son fils unique. Quel désespoir! Quel cœur brisé, quelle souffrance, quel chagrin, quelle amertume. Qui pouvait consoler cette femme? Elle a pleuré. Il n'y avait même plus de larmes dans ses yeux. Tellement la souffrance était grande. Les parents venaient, les amis, les plus proches, pour la consoler.
mais aucune consolation ne pouvait atténuer ses douleurs. Elle a pleuré à se fondre les yeux. Personne ne pouvait la consoler. Mais comme on ne pouvait pas garder un cadavre, il fallait enterrer ce jeune. La femme avait maigri. Les douleurs, elle avait perdu le sommeil, l'insomnie. Elle s'affolait. Elle souffrait, ne mangeait plus. Peut-être c'est ton cas. Aujourd'hui, tu es dans des douleurs, la souffrance. Tu ne manges plus, tu as perdu le sommeil. Tu es en train d'être déséquilibré. Ton cœur est brisé. Personne n'arrive à te consoler. Rien. Mais laisse-moi te dire la suite de l'histoire. Pendant qu'on allait enterrer le jeune homme, il y avait une foule qui suivait le cortège, le cercueil. La mère était derrière, dans les larmes toujours, dans les pleurs. Parce qu'on allait mettre son fils, son unique, en terre, comme son mari. Elle pleurait, elle souffrait. Il y avait une foule malheureuse. Une foule triste qui allait accompagner le corps. Mais de l'autre côté, il y avait une foule qui arrivait. Une foule joyeuse. Une foule heureuse. Parce qu'à la tête de cette foule se trouvait un homme appelé Jésus de Nazareth. Le Christ, le Messie, celui qui a été oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir les cœurs brisés. Les deux foules était sur le point de se rencontrer. Logiquement, la foule de Jésus devrait s'arrêter pour laisser passer le cortège funèbre. Mais Jésus n'a pas laissé le chemin. Il s'est arrêté au milieu du chemin et le cortège funèbre s'est arrêté. Jésus a vu cette femme dans ses larmes, dans ses pleurs, dans ses chagrins, dans ses douleurs. Jésus l'a regardée et lui a dit, « Femme, ne pleure plus. Alléluia. » Quand on rencontre Jésus, les larmes doivent sécher. Jésus dit, « Femme, ne pleure plus. » Il y a un grand musicien, un très grand musicien, qui n'est plus de ce monde, qui a chanté « Woman, no cry. » Mais aucun être dans ce monde ne peut dire à une telle femme « Woman, no cry. » Ce n'est pas possible. Aucun être humain. Dans tes douleurs, dans tes soucis, dans ta condition, dans ta souffrance actuelle, les conseils, les consolations sont vains. Mais quand Jésus dit, femme ne pleure plus, quand Jésus dit, monsieur ne pleure plus, quand Jésus dit, homme, jeune homme, ne pleure plus, c'est qu'il a la solution à ton problème. Jésus dit, déposez le cercueil. Jésus n'a jamais reculé devant une situation. Quelle que soit la situation, quelle que soit sa gravité, Jésus a toujours une réponse et une solution. Parce que retenez que j'ai dit que Dieu l'a oint. C'est l'être le plus oint du monde. Aucun prophète n'a été oint comme Jésus. Personne n'a jamais parlé comme Jésus a parlé. Personne n'a jamais fait ce que Jésus a fait. Parce que l'onction de Dieu sur lui surpasse l'onction que tous les prophètes ont reçue. Il est le Messie. Il est plus qu'un prophète. Jésus a dit, déposez le cercueil. Il s'est approché. Il a touché le cercueil. Il a dit simplement, Jésus n'a pas prié. Il a dit simplement, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Quand Jésus parle, quelque chose se passe toujours. Parce qu'il est la parole de Dieu. Il est le verbe de Dieu. Quand Jésus parle, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui a parlé. Parce qu'il est le verbe. Jésus n'a pas prié. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Il n'a pas dit, jeune homme, je te le dis au nom de Dieu, lève-toi. Parce que celui qui parlait lui-même était Dieu manifesté en chair. Lève-toi. Et à l'instant même que Jésus eut parlé, la vie est entrée dans ce jeune et ce jeune s'est levé. Imaginez naissant l'histoire.
femme veuve a perdu son fils unique. On va à l'enterrement. Il rencontre Jésus. Jésus arrête le cortège. Il parle et le jeune homme se lève. Il ouvre les yeux, il regarde. Il voit la foule qui l'entoure. Et puis il voit sa mère. Il voit Jésus, il ne connaît pas Jésus. Il va tomber dans les bras de sa mère. Il va l'embrasser. Il va l'entourer. Sa mère va le serrer. Il va serrer sa mère. Imaginez la joie. Imaginez le bonheur qui va se dégager. Regardez ce que les gens vont voir. Quelle scène! C'est Jésus seul qui est capable de produire une telle scène. C'est lui seul qui peut donner le bonheur, la joie de vivre. C'est Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Et ce matin, je te parle d'un être redoutable qui a été ouais et qui est venu dans ce monde pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quelle est ta condition? Ton cœur est brisé à quel point? Est-ce que ton cœur est brisé, plus brisé que le cœur de cette femme? Si Jésus a résolu le problème de cette femme, c'est qu'il peut résoudre ton problème ce matin. Si Jésus a résolu son problème, il peut résoudre ton problème. Est-ce que tu m'entends? Il suffit seulement que tu le rencontres. C'est parce que les deux cortèges sont rencontrés. La femme s'est trouvée face à Jésus qu'elle a retrouvé la solution à son problème. Il te suffit de rencontrer Jésus. Vers la fin, je vais te dire comment tu vas le rencontrer. Jésus dit qu'il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Il y a des gens qui sont captifs. Tu n'as rien fait, mais il y a des gens qui sont contre toi et qui te jettent des sorts. Des gris-gris, des fétiches. Ils font des choses et ils te rendent captif. Tu deviens esclave. Tu fais des choses, ça ne marche pas. Tu es envoûté, tu es lié, tu es captif. Tu souffres, tu étudies, ça ne rentre pas. Tu fais des affaires, ça ne marche pas. Tout ce que les autres font, ça marche. Pour toi, ça ne marche pas, c'est bloqué. Tu as l'impression qu'il y a sur ta vie une malédiction. Comme si tu es maudit. Tu es captif, tu es enchaîné, tu es attaché par des hommes qui sont contre toi, qui sont jaloux de ton succès et qui ne veulent pas que tu réussisses. Ils sont jaloux et ils bloquent ton succès et tu deviens captif. Tu deviens captif. Rien ne marche dans tes affaires. Tout est bloqué. Tu m'entends? Toi, tu es captif. Jésus dit qu'il est venu pour libérer, pour proclamer aux captifs la délivrance. Jésus est venu pour que toi qui es captif, tu sois délivré. Pour que tu sois délivré. Et Jésus veut te délivrer de ta captivité. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, quelles que soient les souffrances, les douleurs, quels que soient les liens, les chaînes qu'on a pris pour t'attacher de façon invisible, Jésus est venu et il a le pouvoir de briser toutes ces chaînes pour te sortir de la captivité. Il veut te rendre libre. J'ai vu des fous qui ont été guéris. Des gens liés qui ont été libérés. Jésus veut te rendre libre. Est-ce que tu m'entends? Jésus veut te rendre libre. Il veut te sortir de la captivité. Les chaînes qu'on a prises pour t'attacher invisiblement, qui font que tu n'arrives pas à enfanter, que tu n'arrives pas à te marier, qui font que tu n'arrives pas à t'exercer, ton commerce, tes affaires, tout est bloqué, rien ne marche. Parce qu'il y a quelqu'un qui est contre toi. Il a envoyé des puissants des ténèbres, des esprits démoniaques pour t'enchaîner. Et ces esprits-là, aucune personne, aussi puissante soit-elle, ne peut les chasser. Mais il y a un seul nom. Jésus dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Et au nom de Jésus, pendant que je parle et que tu m'entends, je dis au nom de Jésus que les chaînes se brisent et que les liens soient détruits pour que tu sois libre. À la fin, je prierai pour toi et tu verras que les chaînes vont tomber si tu acceptes Jésus. Si tu crois en Jésus, si tu donnes ta foi, ta confiance, si tu crois en lui, les chaînes vont se briser. Alléluia. Jésus est venu pour libérer aussi les aveugles, ceux qui pensent qu'ils voient alors qu'ils ne voient pas. Il y a des gens qui sont physiquement aveugles. Jésus les guérit.
Mais il y a des gens qui ne sont pas aveugles, mais ils ne voient pas la gloire de Dieu. Quand on prêche l'évangile, ils ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Donc, ils sont aveugles. Jésus est venu pour les guérir. Ceux qui sont opprimés, comme je dis, les captifs, Jésus est venu pour libérer les opprimés. Mais écoutez la bonne nouvelle. On dit, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue, quand Jésus lui parlait, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur Jésus, sur lui. Les gens le regardaient. C'est là que je veux t'emmener pour terminer. C'est là que je veux t'emmener pour terminer. Tous ceux qui étaient dans la synagogue, quand Jésus a parlé et il a dit cette parole que je viens de vous lire est accomplie aujourd'hui, les gens regardaient Jésus. C'est là que je veux t'emmener. Fixe les regards sur Jésus. Fixe les regards sur Jésus. Pas sur moi qui suis en train de te parler. Je suis un serviteur. Pas sur les pasteurs. Pas sur les hommes de Dieu. Sur aucun homme qui se réclame de Dieu. Fixe les regards sur Jésus. Tu ne peux pas le voir physiquement. Mais ferme les yeux et parle à Jésus. Si tu fermes les yeux que tu lui parles, tu es en train de fixer les regards sur lui. Ça dit ton attention va sur Jésus. Tu n'as plus de solution. Personne ne peut t'aider. Personne ne peut te délivrer. Fixe ton attention sur Jésus. Qu'il soit captivé. Qu'il soit au centre de tes intérêts. Qu'il te captive. Regarde à lui. Fixe tes pensées sur Jésus. Et parle-lui de ta condition, de ta vie sociale, de ta vie spirituelle, de tes problèmes, de tes douleurs, de ta maladie, de tes angoisses, de tes craintes. Dis-lui que tu es condamné par la médecine, qu'on ne peut plus rien faire pour toi. Dis-lui que tu es malheureux, que tu souffres, que personne ne peut t'aider. Dis cela à Jésus. Ferme les yeux et parle-lui. Quelque chose va se passer dans ta vie. Parce que Jésus, il est là, il est venu pour opérer des miracles. Les miracles. Il a la capacité de les délivrer. Et il veut le faire pour toi. Maintenant même, si tu crois. Tu es assis devant ton poste, je te dis simplement, monsieur, madame, ferme les yeux et nous allons faire la prière pour terminer. Ferme les yeux et nous ferons la prière. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais ma pauvreté. Je reconnais ma misère, je reconnais ma souffrance, je reconnais mes douleurs, je reconnais qu'il y a quelque chose qui me manque, je reconnais tout cela. C'est pourquoi je viens à toi, je crie à Dieu en ton nom, tu as dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je crie à Dieu au nom de Jésus, je demande pardon pour mes péchés, mes souffrances, mes douleurs, tout ce que j'ai fait de mal. Et je t'invoque, Jésus, viens changer ma condition de vie, viens changer ma situation. Jésus, viens me sauver, viens me délivrer, viens me libérer. Viens Seigneur, je place en toi ma confiance, mes regards sont fixés sur toi. Viens Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que les choses changent et que la situation ne soit plus la même. Merci Seigneur, parce que je suis confiant que tu m'as écouté, tu m'as entendu, tu m'as répondu et que les choses vont changer à partir d'aujourd'hui. Merci de le faire, Père, au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.